Le chasseur sous-marin en Méditerranée s'intéresse à plusieurs espèces côtières, comme le sar, qui est le poisson que l'on rencontre le plus fréquemment à toutes les profondeurs et sur tous les types de fonds. La dorade, le loup, le denti et le corbe, moins communs, sont également très recherchés. Le corbe, c'est un poisson majestueux, indolent, calme, qui d'ailleurs a tendance à disparaître, on va dire, à filer à l'anglaise. Mais le plus souvent, quand on le pêche profond, la vérité, c'est que le plus difficile, c'est de trouver l'endroit où il habite, c'est pas forcément de le capturer. Le poisson qui a de la défense, qui va aller se cacher dans les recoins les plus sombres, ou glisser de pierre en pierre jusqu'à pouvoir s'échapper dans les herbiers et devenir invisible. Donc voilà, le corbe, c'est quand même un poisson qui est relativement facile à capturer, mais dont il est très difficile, même pour les gens qui voudraient insister, d'en capturer plusieurs individus.